ont finalement une place essentielle. D'une part parce qu'elles permettent de me donner une idée du niveau de leurs connaissances, surtout dans les premiers ateliers où j'apprends à les connaître, et d'autre part parce que les questions dynamisent l'atelier. Alors, je vais vous distribuer un petit papier comme ça. Alors, t'as une question ? Oui. Vas-y. Pourquoi les yeux de personnes ne sont pas de la même couleur ? Mais tu vois, c'est la partie qui est bleue, là. Ça s'appelle l'iris. Et c'est là où il y a la couleur de ton œil. Et donc, pourquoi on a des couleurs des yeux différentes ? Eh bah, bien, parce que c'est génétique, en fait. Selon, on va faire très simple, selon la couleur des yeux dans ta famille, tes parents ou tes grands-parents, bah toi tu vas avoir les yeux d'une certaine couleur. Ça se transmet. Je fais en sorte bien entendu qu'elles ne finissent pas par envahir totalement le temps de l'atelier, mais je préfère parfois passer plus de temps que prévu à les écouter s'exprimer et faire du brainstorming autour des sujets qu'ils mettent en avant. Pour dire la vérité, il y a toujours plus de questions que je n'imaginais avant chaque atelier et je prends toujours un petit peu de retard dans ce que j'avais prévu. Ce n'est vraiment pas grave, je préfère que ce soit les enfants qui m'imposent leur rythme plutôt que l'inverse et prendre le risque que ça ne fonctionne pas.